Salut à tous, c'est Waxim, on se retrouve aujourd'hui pour le nouvel épisode de la saison 2 de My Team sur F1 22. Regardez cette nouvelle voiture, n'est-elle pas belle? Elle est magnifique. On est parti, on remet pour les changer à 65. Et hop, amélioration de la durabilité, chaîne motrice, châssis, aérodynamique, marketing. Marketing encore. Et hop, amélioration. Et hop, amélioration. Et hop, amélioration. Et hop, amélioration. Hop, amélioration. Et c'est parti pour Bahreïn. Les essais. Les qualifs. Ah, quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle saison à Bahreïn en plus. Alors, comme vous allez le voir, je passe les vitesses actuellement. On double Piastri. Piastri qui est chez Alfa Romeo. C'est vraiment un plaisir de commencer une nouvelle saison avec avec justement les pilotes qui ont switché de team, des nouveaux pilotes, tout ça, franchement c'est kiffant. Donc je vous laisse écouter un peu le volant. Vous verrez, il y a quelques petites erreurs, c'est-à-dire qu'il y a des virages qu'on prend sûrement en sur-régime, d'autres en sous-régime. Mais dans le fond, c'est pas si dégueulasse que ça ce qu'on donne. Franchement, c'est pas dégueu. Je trouve même qu'on est plutôt propre. Alors attention, gros virage ici. On le prend en première alors qu'on devrait le prendre en deuxième. Mais bon, ça va. On arrive à s'en sortir. On arrive à s'en sortir. On est dans la grande ligne droite. On a presque 6 dixièmes d'avance sur notre ancien temps. Ça roule, ça roule. On prend le virage à droite. Bahreïn, après on connaît, donc c'est pas compliqué. Jeddah sera peut-être pas la même histoire. Jeddah sera peut-être pas la même histoire. On termine par le dernier virage, tranquillement. Ouais, on passe la ligne. Eh ben c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Pour un mec qui a jamais passé de vitesse. Ah. Maintenant que les qualifications sont terminées, revoyons qui sont les trois premiers du jour. Sainz, Verstappen et Sergio Perez. Ah, voilà, même si c'est le meilleur, tu vois, même si c'est l'un des meilleurs pilotes, le coéquipier arrive dernier. C'est un peu triste quand même. Hein. La période des tests hivernaux et des essais est désormais terminée. C'est maintenant que tout va se jouer et que les masques vont tomber. Place à la première épreuve de ce nouveau championnat du monde de Formule 1. Le magnifique circuit international de Bahreïn propose aux pilotes 5,4 km de distance. Il faudra particulièrement suivre les pilotes dans la délicate zone de freinage du virage 10. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. C'est Carlos Sainz qui part en pole position. Et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Perez, Norris, George Russell, le propriétaire, Hamilton, Stroll, Ocon et Charles Leclerc, Ricciardo, Zhou, Pierre Gasly et Mick Schumacher, Magnussen, Bottas, Yuki Tsunoda et Oscar Piastri, Schwartzmann, Albon, Latifi, et Jacques Villeneuve en queue de peloton. Ça y est, il est l'heure du départ. Tournons-nous vers la grille pour la course du jour. Une nouvelle saison vierge commence où tout peut arriver. Jean-Éric Vergne est avec moi aujourd'hui pour entamer cette nouvelle année de Formule 1. On n'est plus qu'à quelques minutes du départ. Toutes les écuries s'inquiètent un peu de la fiabilité de leur monoplace. Elles n'ont pas été testées aussi à chaud et perturbateur des autres voitures lors des essais. Elles n'ont pas été non plus poussées à l'extrême pour de longues périodes. Espérons que personne n'aura de mauvaise surprise à gérer. Alors, stratégie. Bon, on va rester là-dessus. On va espérer ne pas se faire niquer. Allez, ça va le faire. Et c'est parti pour Bahreïn. On part à la 6ème place derrière Russell, Norris devant Hamilton et Stroll. Mais on a... Ah, j'ai oublié qu'il fallait qu'il passe les vitesses. Quelle erreur, on va essayer de prendre l'intérieur, ça, c'est compliqué, mais ça passe, on a beaucoup de chance sur ce coup-là,
on est un peu en sur-régime, en sous-régime, pardon, on était en quatrième là, mais bon, ça passe, ça passe, ça passe. On a Perez devant nous, nous sommes cinquième. Est-ce qu'on va réussir? Oui, on prend l'intérieur. C'est notre premier vrai dépassement, messieurs, dames, alors qu'on passe les vitesses. Exceptionnel! Incroyable dépassement. Norris, on va essayer de lui faire un peu la même. Sauf que Norris, là, on va avoir le RS et le DRS. Donc, on va pouvoir le dépasser, on va dire, différemment. On va aller plus vite que lui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Ouais, voilà. On va plus vite que lui et au freinage. Oh, il a tenté un petit coup de pression, Norris. Pas cool, le coup de pression. Pas cool, pas cool. On est troisième, on est sur le podium. Bravo, tu viens de gagner une place. On est sur le podium. Verstappen rentre au stand. Il rentre au stand parce qu'il avait chopé des softs. Et donc, grâce au deuxième chassé croisé aussi de Sainz, on chope la première place temporairement. À nous de rentrer au stand pour changer de pneu. Verstappen nous double à la sortie des stands. On est deuxième à la sortie des stands, c'est pas dégueu. Deuxième place, on va essayer de rattraper Verstappen, mais c'est pas gagné. Sachant que nos pneus sont frais. Tout frais. Donc on est deuxième. On est deuxième toujours. On a perdu un peu de temps sur Verstappen, mais on le rattrape petit à petit, donc ça le fait. Et c'est là. Oh, c'est l'erreur! C'est l'erreur! Incroyable l'erreur! On sait pas comment repartir. On essaye de revenir sur la piste tranquillement. On se concentre. On a perdu la caméra, mais c'est pas grave. Leclerc nous double. On a réussi à trouver une stabilité. On est reparti à la troisième place. On est reparti à la troisième place derrière Leclerc. On essaie de le doubler. Et c'est l'aileron! C'est l'aileron au 22e tour! C'est l'aileron au 22e tour! J'ai envie de rester comme ça, hein. Tant pis, hein. Et on prend la décision de rester avec l'aileron mort. Tour 24, on prend un peu large parce que l'aileron nous permet plus de tourner. C'est Norris qui nous double, on perd le podium, on est quatrième. Quatrième. Et la cloche sonne, c'est le dernier tour. Allez. Le dernier tour avec Hamilton et Stroll qui nous talonnent derrière. On va essayer de garder notre quatrième place qui nous apporterait pas mal de points, certes, mais qui serait quand même pas mal du tout pour un début de saison. Début de saison dans une des voitures les plus mauvaises du circuit, ce qui prouve qu'il va falloir encore que j'augmente le niveau. 65, c'est un peu trop bas. On va le réaugmenter à 70-75 pour Jeddah. Je pense que 70, c'est pas mal. C'est pas mal. Hamilton vraiment nous talonne de plus en plus là derrière avec Stroll. Il faut pas faire d'erreur. Je suis obligé de repasser en quatrième dans certains virages que je prends en cinquième habituellement. Ici, on est obligé de passer en première pour être un peu plus doux, un peu plus délicat. Il y a Ricciardo qui a rattrapé Hamilton et Stroll. La moindre erreur, c'est 3 places de perdu. Il faut faire très attention. Ici, on essaye d'être précis. Ça paye. Ça paye. Dans la ligne droite, on essaie de ne pas se faire rattraper. On active le RS. C'est important. C'est important de rester stable. On arrive dans le troisième secteur. Là, la partie la plus, on va dire, la plus simple du circuit. Il ne faut surtout pas prendre le ralentisseur. On ne le prend pas. C'est bien, on est toujours quatrième. Il y a Hamilton qui est juste derrière nous. Ici, on les ralentit un petit peu dans le virage. On accélère très vite, ils sont juste derrière nous. Juste derrière, nous avons Hamilton et Stroll qui nous talonnent. Mais si on arrive à bien prendre le dernier virage, normalement, c'est une quatrième place assurée. Est-ce qu'on va réussir? Oui, oui, il me semble que nous allons réussir. On est pas mal pour cette quatrième place, pour ce premier circuit de Bahrain. Ça fait 29 tours que je passe ces vitesses. Et je chope la quatrième place. Et attention à la bonne place. Génial! Super. Putain, 29 tours que je passe les vitesses, les gars. 29 tours, hein. C'est... Et c'est tendu, en vrai. Hein. Vous imaginez pas le niveau de concentration qu'il faut avoir pour ça, quoi. C'est incroyable. Incroyable. Regardons les résultats, parce que c'est quand même pas mal. Donc, nous, on est quatrième. Alors, regardons ça. Stroll, sixième. Exceptionnel, Stroll, sixième. Bottas 10e, Piastri et Schwarzman 14 et 15. Donc bon, voilà. Villeneuve 17. Ça, c'est propre. Hein. Ça veut dire que, vous voyez, il y a des pilotes qui deviennent de un peu mieux. Enfin, il devient un peu meilleur avec nous, donc c'est cool. Ouais, je suis encore un peu sous. Désolé, c'est l'émotion. Je viens de passer les vitesses et tout. Enfin, c'est. Waouh! 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 Waouh!
Les gars, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve pour l'épisode 2 à Jeddah, l'enfer Jeddah. Voilà. D'ici là, portez-vous bien. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai kiffé faire cette vidéo vraiment là avec les vitesses. Il y avait des petites sensations, vous voyez. Il y a des petites sensations, donc c'était kiffant. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.